Bonjour frère Maxime. Dans ce moment spirituel nous pour matin, on a considéré Matthieu 5 verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'a enseigné ce montagne là. Et dans enseignement il t'a bail. Premièrement, il dit non pour nous pas jurer, pour nous pas faire serment, ni par le ciel, ni par la terre. C'est pour nous apprendre que parole nous doit la vérité. Ça nous bail comme parole, comme réponse, c'est oui, oui, non, non. N'importe ça que ou ajouter, li pas sorti dans bon Dieu, li vini du malin. Normalement, yon moun ki gen oui, ki gen non, c'est yon moun ki honnête. C'est un monde qui intègre. C'est un monde qui parle parole de justice. C'est un monde que ou capable faire confiance. C'est un monde qui toujours backup ça que il dit par rapport à ça que il a fait. Que votre parole soit oui, oui, non, non. David dans le psaume 17 pendant que la parlé avec Seigneur, dit-il concernant verset 3, si tu sondes mon cœur, si tu me visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ça veut dire, moi ensemble avec vous-même, pensez-nous avec parole, nous devons accorder ensemble. Ça fait de nous des mondes qui honnêtes. Maintenant, encore une fois, parole la vie nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que bon Dieu bénisse vous. Passez une bonne journée. C'était Pasteur Mullens Constant dans ce moment spirituel pour matin.